Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? On est le 8 novembre et oui, ça passe. On est bientôt à la fin de l'année, les fêtes de Noël arrivent, ça passe très 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 vite. Alors il est midi 30 dans 4 minutes. Je vous prends que maintenant car j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin et que ma journée n'est toujours pas finie. Là, je vais vous faire le haul action. Que je vous promets depuis 2 jours au moins, oui. Mais par contre, je n'ai plus le ticket de caisse, car à chaque fois, je dis, bah, je vais préparer, je mets le ticket de caisse là, ne touchez pas. Et je pense qu'ils ont touché et qu'ils me l'ont jeté. Donc c'est vraiment un mini haul action que je vous mets dans ce vlog, hein. Donc demain, nous sommes mercredi. Donc demain, c'est les arrivages de chez Action. J'irai faire un petit tour en espérant trouver la palette. Oui, que je vous parle chaque fois. Donc, bah, on va y aller. Donc, j'ai préparé le petit sac. Voilà. Alors, on commence tout de suite. On y va. C'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ce petit plateau en métal effet miroir. Enfin, c'est un miroir, hein. Tout simplement, c'est un miroir et ça vous avez bien compris, c'est pour un cadeau, voilà, pour faire la collection de ma fille, vous savez, avec tous ses verres à thé, sa bonbonnière, enfin bref quoi, j'ai pris ça, j'ai trouvé ça trop mignon, du coup je l'ai pris. J'ai trouvé une nouveauté, ce petit stylo à pompons. Alors là c'est trop trop doux, hein. Alors l'ouverture c'est ici, hein. Voilà. Voilà, il écrit super bien. J'ai essayé. J'ai essayé parce que j'en ai deux. Hein. Sinon, je ne vais pas essayer avec l'emballage. Vous avez les petites paillettes. J'ai trop adoré. Alors, j'en ai un vert et le rose, il est là. Voilà. Alors, vous allez bien, bien le voir comme ça. Magnifique, le petit pompon tout doux là. Ce sera à mettre dans mon pot à stylo. J'ai perdu le bouchon. Il doit être dans le sac. C'est pas grave. Ensuite, à mon habitude, pas toujours des bonbons. Hein. Voilà, cette fois-ci, j'ai pris des sticks à la fraise de chez Haribo. Vous avez au Coca-Cola et vous avez à la pomme. Mais moi, je préfère à la fraise. Ensuite, j'ai repris l'eau micellaire de chez Garnier. Alors ça, c'est une bombe. C'est une bombe atomique. Ça démaquille super bien et comment c'est frais. C'est trop bien. Surtout, vous savez, même que je me démaquille le soir, et ben le matin, je prends un coton et je me passe ça sous le visage et franchement, ça me rafraîchit de ouf. C'est un truc de dingue. Franchement, j'adore trop. Ensuite, en ce moment, j'ai mal au ventre et oui, il y a les, vous savez, trucs de femmes, voilà, trucs de filles que nous avons tous les mois, patati patata. Donc, en ce moment, j'ai mal au ventre, même à rester debout, j'ai mal au ventre. Donc, je me suis prise une, comment ça s'appelle ça? Une bouillotte, voilà, c'est une bouillotte avec des noyaux de cerises. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas à faire chauffer et à mettre ben, comme la madame, là, la madame qui a mal au ventre aussi. Ça, je sais que c'était pas très cher, c'était moins de 3 euros. Donc, je me suis pris ça parce que je ne sais pas dans le rayon. Mais tous les bouillottes avaient disparu. Il n'y en a plus du tout. Il restait que ça. Et encore, ceux-là, il restait peut-être 2 ou 3 paquets, je suis pas sûre, mais c'est sûr que c'était pas plus, ça c'est certain. Ensuite, j'ai pris une sauce algérienne de la marque Samia. Alors celle-ci, elle est délicieuse, extra délicieuse, mais elle pique. Ça pique, ça pique, ça pique, ça picote. On met ça dans les sandwichs, enfin, dans les hot dogs. Il y en a hot dogs, ils mettent mayo ketchup, mais bon, après chacun il fait comme il veut, hein. Chacun met sa sauce comme il veut. Donc on en met nous un peu partout et puis même quand
Vous savez, je fais cuire un steak haché. Je mets la tranche de fromage croque-monsieur au-dessus. Et je mets un peu de sauce dessus. Et un régal. Un régal. Ensuite, j'ai trouvé deux petites nouveautés. Et je regarde dans le sac, il y avait encore un truc, mais non, il n'y a plus rien, il reste que le bouchon. Donc, c'est des petits masques diamants. Voilà, diamants. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, c'est diamant. J'ai le nez qui gratte. Alors, c'est relaxant, c'est vegan et c'est parfum. Est-ce qu'ils mettent un parfum dessus? Pêche. C'est lui, le bleu, le diamant bleu est à la pêche. Et j'en ai pris un rose, diamant rose. Alors ça, il est à l'eau de rose. Voilà, j'ai trouvé ces deux petits masques magnifiques. Hein. Moi, j'adore les masques. Hein. De toute façon, j'en ai une caisse. Sans vous mentir, comme ça, j'en ai plein dedans. De toute façon, j'ai dit que j'allais vous faire une vidéo. Hein. Ensuite, j'ai trouvé une nouveauté aussi. Ceci. Alors, c'est une licorne avec une petite éponge pour se maquiller. Voilà. Je vais l'ouvrir. Je suis tellement curieuse que je vais l'ouvrir. C'est vrai que depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais le faire devant vous. Si j'y arrive. Désolée pour le bruit. On va pas le voler, hein, je vous le dis. Alors, comment ça se présente? Alors, oh oui, d'accord. En fait, c'est un pinceau. C'est tout doux. Ça fait comme un pinceau, mais peut-être. Ah, vous savez, peut-être pour le blush. Pour estomper un peu le blush. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y avait plusieurs coloris, je crois. Arc-en-ciel, je pense. Moi, j'ai préféré celui-là. Oh, c'est doux. Voilà, j'adore. Il est magnifique. Voilà, pour ce petit haul action. Hein. Je vous ai dit, il n'était pas très grand. Et on verra demain si je trouve quelques bricoles, quoi, en fait. Et puis hier, j'étais à match, mais pareil, là, j'ai pris 2-3 bricoles. J'ai pris du jus de poire. J'ai pris de l'emmental râpé, de la mozzarella râpée. Un sac de Babybel. Un sac, un filet plutôt, hein, un filet de vatte. J'ai pris un pack de Coca-Cola. Dedans, j'ai pris Vacanette. J'ai pris quoi encore? De la sauce hollandaise, parce que vous savez, hier pour mon poisson. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc c'est pour ça que je vous fais pas que je vous fais pas un retour de course en fait. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc moi bon, je vais ranger après. Hein. C'est pas grave, je vais m'asseoir parce que j'ai mal au ventre. Je sais pas, je vais me mettre ici. Voilà. Donc, je me mets ici. J'espère que ça va aller à la lumière. Voilà, comme ça ira. Oui, ça va. Oh, ça fait du bien de s'asseoir quand même. J'ai mal au ventre. Et du coup, j'étais en match. Il me fallait pas grand-chose. En fait, il fallait, comme je vous ai dit, la sauce parce que j'en avais pas. Hier, je me suis fait de la purée avec du poisson. Et vous savez, je voulais faire un parmentier. Et après, bah, du coup, je me suis pris un petit peu de sauce dans un autre tupperware, hein, évidemment. Mais je ne me suis pas régalée, en fait, pour la séance. Parce que c'est pour la séance, hein, le repas que j'ai fait. Je ne me suis pas régalée parce que bah, peut-être que ce n'était pas un poisson pour le parmentier. C'était un poisson aigle fin. Voilà, c'est la marque. Enfin, c'est un poisson aigle fin. Je ne connais pas trop. Et je l'ai trouvé sec et. Bon, j'ai pas aimé. Heureusement que j'avais mis beaucoup de purée. Que j'avais pris beaucoup de purée. Comme ça, j'ai pu manger quand même.
à peu de sauce et bon, ça a été quand même, mais je le refais, je vais plus le refaire. Voilà. Hier, les enfants, monsieur a mangé des pâtes avec des knackis parce qu'il nous restait des knackis, donc je me suis dit, mangez-les parce qu'il faut les finir, sinon après, ben, vous savez, ça colle, c'est plus bon, c'est dégueulasse et c'est dommage de gâcher en fait, hein. J'avais acheté des knackis pour faire des hot dogs, tout ça, et tout compte fait, j'ai pas fait. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Pourtant, je me suis réveillée assez tard. J'ai pas déjeuné beaucoup parce que vous savez, bah, quand on a mal, on a envie de rien. J'ai pris mon expresso, j'ai bu un jus de abricot. Mais je me dis aussi, il faudrait que je ralentisse sur les petits jus comme ça parce que ça pourrait jouer sur le ventre aussi, hein. Donc, j'ai pris ça, j'ai mangé des dattes. Vous savez, moi, c'est des grosses dattes. De toute façon, il m'en reste une ici que je vais manger après. Hein. Voilà. C'est les grosses dattes Midoul. Moi, je préfère cela. Et j'ai mangé un biscuit Petit Prince au chocolat et une clémentine. Oui, voilà. Donc, c'est suffisant pour ce midi. Ben non, je ne mange pas. Je vais finir mon petit ménage. En fait, il me reste à pendre le linge, à plier le linge qui est là-bas, qui est sec. Le lave-vaisselle, ben, j'ai que le lave-vaisselle du petit déjeuner à remettre dedans. Et puis, j'ai sorti ma mijoteuse. Parce que vous savez, on avait acheté une mijoteuse pour les vacances, pour le camping-car. Et puis, je m'en suis jamais servie. Jamais, jamais, jamais. Elle est tout neuf. Donc, j'ai dit à monsieur, j'ai dit à Eric, écoute, si on ferait un petit repas à mijoter dans ça, quoi. Il m'a dit, ouais, ça serait cool. Du coup, il a été me le chercher. Mais seulement, on n'a pas sorti de viande. Donc, il est parti à la boucherie. Voilà. Je pense qu'il va prendre du veau. Et on va faire comme un osso buco, là, vous savez, on va faire un genre comme ça, avec du riz pour ce soir. Et puis voilà. Aujourd'hui, je ne fais pas de dessert. Je ne fais rien aujourd'hui. Je finis mon petit ménage. Et après, je me mets à film après-midi. Voilà, je ferme mes volets et je me regarde un film parce que j'ai mal au ventre déjà. Et comme j'ai pas grand-chose à faire, j'ai juste l'aspirateur à faire parce que le sol est propre. Mathieu n'a pas trop sali que les poils, ben ça c'est l'aspirateur qui va travailler. Mais sinon c'est pas sale du tout. Donc ça c'est plutôt cool. On devait aller au cimetière aussi, mais avec ce vent de malade, c'est un peu compliqué. On voulait aller voir si les fleurs ne se sont pas envolées. Mais comme aujourd'hui j'ai mal au ventre, et puis à chaque fois qu'on parle de cimetière, je pense à mon frère que j'ai perdu il y a un peu plus d'un an. C'était mon seul frère et je me retrouve toute seule en fait. Voilà. Il avait 51 ans. Donc voilà. Donc ça me fait toujours mal au cœur. Enfin, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal partout. Ça me rend triste. Parce que là-bas, j'ai mes beaux-parents. J'ai mon beau-frère. J'ai mon frère. J'ai des tantes. J'ai ma grand-mère. Donc quand je vais voir tout le monde comme ça, et en dernier. Je vais arrêter parce que sinon ça va mal se terminer cette histoire. Et en dernier, je vais voir mon frère, mais bon, allez. On pense à autre chose, on pense à autre chose. Alors cet après-midi, non, je ne fais pas de goûter, je ne fais rien. Comme je vous ai dit, j'ai mal au ventre. Donc je ne fais rien du tout. J'ai mis le reste de pâte dans un tupperware que j'ai mis au frigo. Il reste vraiment une petite barquette. Donc, pour celui qui veut le prendre, ou celui qui en aura envie, je sais pas. Peut-être moi tout à l'heure, ou Eric, s'il a faim.
Et puis voilà, demain pour le repas, ben je ne sais pas, le repas de la séance, je sais pas ce que je vais prendre, hein. De toute façon, je vous dirai ça demain dans le vlog. Parce que c'est vrai qu'on dit on vlog un peu tous les jours, mais des fois on n'a rien à raconter parce qu'on ne fait rien de la journée. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de vent. Je regarde la fenêtre de ma cuisine. J'ai mes arbres qui font ça, en fait. Vous savez, c'est mes bambous. Ça part dans tous les sens, c'est un truc de fou, hein. Oh là là. Fait peur quand même, hein. En plus, monsieur, je dis monsieur à chaque fois. Eric est parti à la boucherie en scooter. Il n'a pas voulu prendre la voiture. Il va galérer à chaque fois. Je lui dis, prends la voiture. Non, ça va aller. Bon, c'est pas très loin, mais quand même, quoi. J'espère qu'il va penser à prendre des merguez. J'ai envie de faire un couscous ce week-end. Bon, après, c'est pas grave, hein, si on n'a pas pris. De toute façon, on va aller faire des courses. Ah oui, j'ai oublié aussi. Je devais vous faire montrer les achats de Primark. Je vous le ferai montrer demain avec le All Action. Comme je vais à l'Action, bon, ça c'est sûr que je vais acheter un truc, hein. Vous me connaissez maintenant, je ne vais pas sortir sans rien. Et oui, je me rappelais plus justement, c'est parce qu'on l'a caché pour pas que Julie la voie. Bon. Et du coup, c'est vrai que ça m'a sorti de la tête. Et là, comme je pensais aux courses et je pensais que samedi il y allait avoir beaucoup de monde, donc ça m'a fait penser à Primark. Et oh oui, vous avez vu comment je réfléchis que je vais loin? Ah, il y en a là-dedans, hein. Et du coup, oui, je vous le ferai montrer demain, sans faute, promis. Donc voilà. Et puis, oui, bon, les courses, du coup, non. S'il y a des courses à faire, nous n'irons pas samedi, soit jeudi, soit vendredi. Mais pas ce week-end. Note. Note, note, note. Ah non, il y a trop de monde, mais c'est un truc de dingue. Hier, pareil, un match, mais c'était phénoménal. C'est un petit parking, alors il faut trouver de la place, hein, je vous le dis pas. Hein. Non, c'est dingue, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est fou. Voilà. Bon, ben, c'est vrai que ce vlog n'aura pas duré longtemps. En fait, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, donc je pense que je vais me reposer un peu le temps que Eric revient et je reprendrai mon petit quotidien, mon petit ménage, tranquillement. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'ai tout le temps, en fait. Voilà. Donc, bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un bon appétit, déjà, si vous êtes à table. S'il fait beau chez vous, bah, profitez-en, parce qu'ici, ça caille. Et puis, je vous dis une bonne après-midi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez un bon café, un bon chocolat chaud, avec un bon petit film de Noël cet après-midi, si vous le pouvez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça motive à toujours aller plus loin et à vous faire montrer encore plus de choses. C'est vraiment très gentil, je suis presque à 100 abonnés, ça me fait un bien fou, ça me donne du baume au cœur, comme on dit, qu'on peut être intéressé comme ça avec des personnes qui nous regardent. C'est vraiment très très gentil à vous. Je suis qu'à 100 abonnés, enfin bientôt, et vraiment, ça me... je suis émue. Émue. Ça m'émeut, vous ne pouvez pas savoir que ben, c'est incroyable quand même que... À pas avoir beaucoup d'abonnés, mais que ça monte très vite, c'est vraiment, vraiment bah, génial. C'est génial. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, vraiment. Merci, merci, merci. Et ben voilà, du coup, ben, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, hein, si ce n'est toujours pas fait. Clochez sur la petite clochette. Et puis, mettez des commentaires si ça vous dit. Et puis, passez une bonne après-midi. Et moi, je vous dis. À demain, et je vous fais quoi? J'ai pas entendu. Ah, d'accord. De gros bisous.